Oui, donc 9 euros au lieu de 15. Je déteste quand ils mettent leurs centimes comme ça. Autant mettre rond. Et l'intérieur, j'ai juste trop craqué. Et vous allez le voir si j'arrive à ouvrir. Peut-être comme les youtubeuses sur Instagram. Oui, j'ai des rouges à lèvres bleues sur les lèvres. Bonjour tout le monde, c'est Mélie, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour vous présenter aujourd'hui ce que j'ai acheté niveau make-up pendant les soldes. Donc je suis vraiment hyper excitée, je suis comme une gosse quand j'achète du maquillage, ça me fait vraiment trop plaisir. Et j'espère que ce que j'ai pris va vous plaire, en tout cas que ça vous intéresse. Moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos qui montrent tout ce que les gens ont pu prendre pendant les soldes ou à une autre période. Hein. Je suis vraiment une gossip girl sur ça. Donc si ça vous intéresse, then keep on watching. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter comme make-up. J'ai pris une partie chez Sephora et j'ai pris également une partie sur vente privée. Je ne sais pas si vous connaissez ce site internet. Il me semble qu'il faut être parrainé pour pouvoir y accéder. En tout cas, je vous laisserai toutes les infos en barre d'infos. Donc sur ce site, j'ai pu acheter du make-up de NYX Professional Makeup à un prix franchement imbattable. Déjà que c'est pas très cher à la base, mais là c'est à chaque fois en fait des marques qui proposent leurs produits à des prix qui sont beaucoup plus accessibles. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer tout ça. Déjà chez Sephora, j'ai pris cette petite chose. C'est de Benefit. Je l'ai eu à 8,97 au lieu de 14,95. Oui, donc 9 euros au lieu de 15. Je déteste quand ils mettent leurs centimes comme ça. Autant mettre rond. Hein. Enfin bref, c'est une autre histoire. Du coup, c'était pour essayer ce primer, donc ce qu'on met avant le fond de teint. J'ai entendu que des bonnes choses sur ce primer. Et j'avais vraiment trop envie de tester. Réduit instantanément l'apparence des pores et des ridules pour une peau plus douce et plus lisse. Donc moi je l'ai déjà utilisé, je le porte aujourd'hui. La texture est vraiment très marrante parce que quand on l'étale, on a l'impression que on étale pas grand chose. En fait, ça fait tout de suite une sensation de le produit est déjà parti, ou alors c'est tellement fin, tellement... Je sais pas comment expliquer. Si vous utilisez aussi ce primer, dites-moi si vous aussi, quand vous l'étalez, ça vous fait une sensation de... J'ai pas mis grand-chose sur ma peau, hein, ou c'est déjà... Bref, bon, je ne saurais pas le dire. Soyeux, il dit soyeux. Oui, effectivement, c'est une texture soyeuse. Donc j'ai pris ça, j'étais vraiment contente de pouvoir le prendre. Mais voyez quand même, 9 euros, c'est la version mini, quoi. Et la version grande, je crois qu'elle a une trentaine d'euros, enfin c'est Benefit quoi. Ensuite, de la même marque, j'ai pris une base pour les paupières pour pouvoir atténuer les couleurs des veines qu'on peut avoir sur les yeux, pour permettre au fard à paupières de tenir mieux sur la paupière, et également pour que les couleurs pop plus et qu'elles soient plus proches de la réalité. Donc ça a une couleur jaune qui va permettre en fait justement de corriger le bleu des veines. Et je l'ai utilisé aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne bien. Et on sent que le maquillage se pose bien sur la paupière et ne va nulle part, donc ça c'est intéressant. Ensuite j'ai pris un anti-cerne, qui n'était pas en solde, évidemment, ça arrive toujours. J'ai pas vu en tout cas d'anti-cerne en solde. J'ai pris sur les conseils de la vendeuse celui de Make Up For Ever Ultra HD. C'est la teinte la plus claire. Je ne sais pas s'il y a un nom ou pas. Y21, c'est peut-être ça, je n'en ai aucune idée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très lumineux. Après, j'aimerais encore quelque chose de plus couvrant. Mais après, il faut peut-être que je dorme plus. C'est peut-être ça la solution en fait. Mais en tout cas très lumineux, et j'ai utilisé dans un make-up pour faire un cut crease et ça avait super bien fonctionné. Donc pour l'instant, du peu que j'ai utilisé, j'en suis quand même satisfaite, même si je trouve que les cernes pourraient être encore mieux cachées, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai pris une palette de Sleek. J'avais encore jamais testé leur make-up, mais par contre j'avais entendu parler d'eux, surtout avec leur palette d'highlighter. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en tout cas à un moment sur YouTube on en entendrait parler que de ça. Je l'ai eu à 7,50 au lieu de 12,50 et ça s'appelle Into the Night Bronze.
Il y a un miroir en plus à l'intérieur, donc franchement, pour le prix, bien quoi. Il y a deux fards à paupières avec une texture crémeuse, le reste c'est en poudre. Et je trouve ça trop trop canon. Ça, en automne, j'adore. Enfin, même pas en automne, hein, moi je... J'ai pas peur du tout du maquillage, dans le sens, je... Sortir avec un rouge à lèvres super intense, ou même au niveau des yeux, ça me dérange absolument pas, même si c'est pour aller faire mes courses, quoi. J'aime tellement en fait m'amuser. À chaque fois que je commence à me maquiller, je suis comme ça, non, je vais juste faire un petit truc simple. Et je me retrouve après en train de mettre la cinquième couleur sur, sur mon œil. Donc non, ça, pour ça, je... J'ai pas peur. Ensuite, j'ai pris quelque chose de la marque de Sephora qui n'était, attention, pas en solde, mais en fait que j'avais vu en pub sur YouTube et que j'avais trop envie de tester. Donc celui-ci, c'est le... Il s'appelle Tan Lines. Voilà le packaging que je trouve franchement super sympa. Et voilà la couleur qui est trop trop belle, un super beau nude. Il y en avait des métalliques, des mattes, des creams, et celui-ci c'est un cream. On va passer à NYX Professional Makeup. Alors je vais commencer par vous montrer les palettes que j'ai prises. Donc on a une qui s'appelle Olive Hue, donc qui est dans les tons verts. J'avais vraiment envie de prendre des choses que je n'avais pas. Et que j'avais vraiment envie de tester. Et j'en ai pris une dans les tons bleus qui s'appelle Marine Layer. Pareil, j'avais pas de make-up bleu. Donc je suis trop trop contente de pouvoir tester ça. Je pense que vous pouvez voir à la caméra le duochrome là. Trop canon! Donc pareil, je suis vraiment trop trop pressée de pouvoir tester ça. La troisième palette, j'ai pris cette petite banderole, ce petit paquet. Où on avait une palette, un rouge à lèvres et un eyeliner. Le rouge à lèvres, c'est un matte liquid lipstick. Un très très beau nude. Vraiment une couleur que je trouve moi très portable. Donc là, il est encore... je viens de l'appliquer, mais sinon il finit bien mat. Ensuite, on a l'eyeliner. Et en fait, c'est sous forme de pinceau. Enfin, oui, c'est ça. Vous voyez, hyper fin. Et voici la palette. Donc il n'y a pas vraiment de nom. Il me semble que c'était une offre limitée. Il y avait une banderole avec trois rouges à lèvres. Alors nous avons ici Copenhague, ensuite au milieu Budapest et le bleu Moscou. Je porte en fait là aujourd'hui celui-ci, Budapest. Voilà, que je trouve franchement super joli. Appliqué très très agréable. C'est effectivement une texture qui est crémeuse. Je sens rien du tout là sur mes lèvres. Et ça s'est appliqué très très facilement. Donc je suis contente. Copenhague, qui est plus un prune. Et Moscou, là je suis complètement... J'ai pris en fait cette banderole exprès pour Moscou. Même si en fait peut-être que je le porterai jamais en dehors de la maison. Mais parce que c'est un bleu et j'avais trop envie de faire style. Être comme les youtubeuses sur Instagram. Vous voyez, j'ai des rouges à lèvres bleus sur les lèvres. Vous voyez, genre. Et pour finir ce petit shopping make-up, j'ai également pris ces deux rouges à lèvres. Donc un qui est un butter lipstick qui s'appelle Lifeguard et l'autre qui est sous cette forme-là. Qui est un super beau nude, je vous montrerai les swatchs de suite. Donc Lifeguard, c'est celui du bas. On a le nude évidemment juste au-dessus. Je suis vraiment trop contente parce que j'avais vraiment envie d'avoir plus de nude dans ma collection parce que j'avais déjà pas mal de rouge. Et j'avais, voilà, j'avais pas énormément de nude, donc je suis vraiment contente de pouvoir... utiliser tout ça très très prochainement et pouvoir faire plus de tutos maquillage sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste quelque chose en particulier pour vous sur la chaîne YouTube, que ce soit sur le make-up que j'ai montré ou ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de très très gros bisous et bye bye.